416, c'est le nombre de féminicides comptés dans la seule ville d'Abidjan en 2020. Un chiffre effrayant qui révèle une réalité des plus lugubres. Une femme sur trois, selon les données du Programme national de lutte contre les violences basées sur le genre, est victime de violences physiques ou sexuelles au cours de sa vie en Côte d'Ivoire. Et ce, malgré les lois et les engagements pris pour protéger les femmes. Cette info, à l'occasion des 16 jours d'activisme, réitère son engagement dans cette lutte de tous les jours. Dans ce nouveau numéro de C'est-à-dire, nous recevons Anaïs Dagrou, présidente de l'association, présidente pardon, du mouvement Femmes et Paroles. Madame Dagrou, bienvenue. Merci beaucoup pour votre accueil. Les violences basées sur le genre, on en parle beaucoup, mais concrètement, qu'est-ce que c'est ? Alors tout simplement, les violences basées sur le genre, c'est tout type de violence qui sont basées, excusez-moi, sur le genre, sur l'identité de genre. Mmh. Et ces violences peuvent tout simplement être physiques, économiques, sexiste, mais également psychologique. Les chiffres du rapport que je citais en introduction datent de 2020, mais qu'est-ce qu'il en est aujourd'hui ? Alors aujourd'hui, selon le ministère de la Femme, de la Famille et de l'Enfant, avec son programme national de lutte contre les violences basées sur le genre, nous sommes à 8782 cas de violences basées sur le genre en Côte d'Ivoire. Et il est bien de préciser que ce sont les cas recensés et pris en charge en 2023. Comme vous pouvez l'imaginer, il y en a beaucoup plus qu'on n'a pas pu recenser par manque de liberté d'expression. On va y revenir sur cette question, mais avant ça, Maféré, Bingerville ou tout récemment les deux plateaux à Cocody, les cas de féminicides, de viols, on va même généraliser, les cas de violences sont récurrents, les dénonciations aussi, le chiffre atteste quand même d'un certain effort, mais par quoi est causée selon vous cette forme de libération de la parole ? Je pense qu'il est important de préciser que le gouvernement ivoirien a fait énormément d'efforts quand on regarde depuis 1990, d'efforts pour sensibiliser sur les questions de violence basées sur le genre. Et énormément d'associations aujourd'hui existent, que ce soit à travers le collectif des activistes féministes de la Côte d'Ivoire, et qui mettent en place, ces associations mettent en place des activités, des groupes de parole, des groupes de discussion, où ces jeunes femmes et ces jeunes filles qui sont victimes et survivantes peuvent justement pouvoir libérer leurs paroles. Donc je pense honnêtement que c'est le fait qu'il existe de plus en plus d'espaces sécurisés où elles peuvent s'exprimer et surtout où on pourrait les écouter. Et justement, votre mouvement s'appelle Femmes et Paroles. Qu'est-ce que vous faites de manière succincte dans cette lutte de tous les jours ? Alors, le mouvement Femmes et Paroles a pour objectif de pouvoir sensibiliser à travers l'éducation sur tout ce qui peut constituer une entrave à l'autonomisation de la jeune fille ivoirienne. Donc quand on parle de parole, certes, la plupart du temps on donne la parole aux femmes, mais il est important de pouvoir également donner la parole aux jeunes filles. Alors nous partons dans des foyers, dans des écoles pour pouvoir sensibiliser sur des questions telles que la grossesse précoce, le consentement sexuel, la précarité menstruelle, mais également les mutilations génitales féminines en Côte d'Ivoire. Et nous intervenons, pas qu'à Abidjan d'ailleurs, également à l'intérieur du pays, à l'ouest, mais également dans le nord. Il existe dans chaque commissariat, du moins à Abidjan, une instance habilitée à recevoir les plaignantes victimes de violences, non seulement victimes de violences physiques, mais aussi mentales. Malgré ce dispositif-là, qu'est-ce qui bloque ? Pourquoi cette vague de violences perdure ? Je pense que ce qui bloque aujourd'hui, c'est le fait que ces instances dans les gendarmeries ne sont pas, selon moi, bien évidemment, n'ont pas les outils pour pouvoir aider concrètement ces jeunes filles ou femmes qui sont victimes de violences basées sur le genre. On a plein d'exemples, plein de cas où des jeunes filles et des jeunes femmes sont parties dans des commissariats et n'ont pas pu justement avoir l'aide dont elles avaient besoin. Et c'est grâce à ces associations qui existent aujourd'hui qu'elles ont pu justement avoir un suivi déjà psychologique. Mais en termes de juridique, on est encore très en retard en Côte d'Ivoire. Malheureusement, malgré plusieurs plaintes, il n'y a pas nécessairement les résultats qui sont favorables pour ces survivantes. Donc on essaie quand même d'arriver à un objectif, c'est que ces cas, justement, lorsqu'elles passent par les commissariats, elles puissent justement avoir une réponse favorable, mais ce n'est pas vraiment le cas. Madame Dagrou, bien que je sache que vous n'êtes pas juriste ni avocate, est-ce que vous pouvez nous rappeler les peines qu'encourent les personnes qui font subir des viols aux femmes et aux petites filles ?
Donc déjà, il est bien de souligner qu'avant 2019, on n'avait pas vraiment de définition du viol dans le code pénal ivoirien. Et depuis 2019, avec l'article 403, nous avons une définition. Et les conséquences du viol sont de 5 à 20 ans d'emprisonnement. Bien évidemment, le temps que l'agresseur passera en prison dépendra de si la victime est mineure ou pas. Comment briser littéralement les tabous qui persistent autour de ces violences basées sur le genre ? Parce qu'elles existent, elles sont là, mais on sent encore qu'aujourd'hui, il y a une forme de pudeur autour de ça. Je pense que, comme on le dit déjà depuis des années, tout passe par l'éducation. On le dit très souvent, il faut pouvoir éduquer, il faut pouvoir sensibiliser, mais il y a un travail plus profond qu'il faut faire dans l'éducation. Certes, on a mis en place plusieurs programmes, plusieurs ateliers, comme vous pouvez le voir avec le ministère et les associations. Le problème aujourd'hui, c'est qu'il faut commencer à la base. Nous sensibilisons beaucoup, mais il faut que ces sensibilisations soient beaucoup plus accessibles. Quand je parle d'accessibilité, je parle par exemple comment faire des sensibilisations pour des femmes qui ne sont pas capables de lire, par exemple. Comment s'assurer que ces campagnes touchent toutes les femmes et les hommes en Côte d'Ivoire et pas qu'à Abidjan. Et surtout, comment faire pour toucher les plus jeunes, nos petits frères, nos petites sœurs et nos petits frères également. Bien évidemment. Et je pense que c'est ce qui va vraiment permettre à briser les tabous. Vous avez souligné un point important, vous avez parlé des petits frères. Quand on parle de sensibilisation sur les violences, elles sont souvent axées sur les femmes. Est-ce qu'aujourd'hui, nos petits frères, nos grands frères, nos pères, nos oncles sont, selon vous, suffisamment sensibilisés sur cette question-là ? Alors non, pas du tout. Déjà, si nous-mêmes, les concernés, nous ne sommes pas assez sensibilisés, je pense que nos frères, nos petits frères, nos oncles ne le sont pas également. Et c'est ce que je reproche aujourd'hui, je pense, à plusieurs associations. C'est des discussions que l'on a. On ne veut pas justement que lorsque l'on parle de précarité menstruelle, de consentement, que l'on fasse sortir les petits frères des salles de classe. Parce que c'est encore tabou aujourd'hui. Enfin, c'est tabou. Il y en a beaucoup, pour beaucoup d'hommes, avoir ces règles, c'est quelque chose d'horrible et on ne doit pas en parler. Et c'est ce qu'on essaie de briser, avec, en tout cas avec l'association Mouvement Femmes et Paroles, on s'assure qu'il y a des filles et des garçons, parce que ces garçons ont des sœurs, ces garçons ont des cousines, et c'est important pour nous de pouvoir un peu partager l'information à tout le monde. Donc oui, on essaie de prôner justement ce partage de connaissances aux garçons et aux filles, et je pense aujourd'hui que la véritable solution serait justement d'embarquer les garçons avec nous dans cette lutte contre les VBG pour pouvoir atteindre nos objectifs. Est-ce que vous avez déjà de vos sensibilisations eu des retours de la part de petits garçons qui apprenaient, je ne sais pas, des choses sur la précarité menstruelle par exemple ? Non, on n'a pas vraiment eu de retour. Je vous avoue qu'à chaque fois que les garçons sont dans la salle, ils vont soit fermer leurs oreilles, ils vont faire comme s'ils ne sont pas dans la salle de classe. J'avoue que c'est assez intimidant pour eux, mais c'est bien déjà d'en parler parce qu'ils n'osent même pas dire le terme « règle ». Et même les filles, parfois, n'osent même pas dire le terme « règle ». Et je me dis, on commence petit à petit. S'ils peuvent au moins entendre, déjà, c'est un premier pas. Et après, on essaiera de voir comment mettre en place des activités qui seraient beaucoup plus adaptées à leur réalité. Madame Dagro, nous arrivons à la fin de la première partie de cet entretien. Nous revenons après une courte pause. De retour dans ce nouveau numéro de C'est-à-dire consacré à la lutte contre les violences basées sur le genre, toujours en compagnie de Madame Anaïs Dagro, présidente du mouvement Femmes et Paroles. Est-ce que vous pouvez nous rappeler l'origine des 16 jours d'activisme et pourquoi cette campagne est importante à l'échelle internationale ? La campagne des 16 jours d'activisme a commencé aux États-Unis en 1991 avec le Centre pour le leadership mondial des femmes. C'est ça. Et c'est une campagne justement qui avait pour objectif et qui a toujours pour objectif de sensibiliser sur toute violence qui est faite basée sur le genre. Et comme vous le constatez, elle commence le 25 novembre, qui marque la journée internationale de la violence faite à l'égard des femmes, et se termine le 10 décembre, qui marque la journée internationale des droits de l'homme. Quelles sont les principales actions menées sur le terrain pendant ces 16 jours en Côte d'Ivoire ?
Alors, il y a énormément d'actions. Comme je dis très souvent, c'est le moment pour les associations de briller, les associations féministes et féminines. Et en matière d'activité, il y a pas mal de conférences qui sont organisées par le ministère de la Femme, de la Famille et de l'Enfant. Mais il y a également des ateliers de sensibilisation. Il y a des projections de films, il y a des ateliers de débat, il y a des ateliers littéraires. Il y a tout type d'activités, justement, pour pouvoir sensibiliser. Et cela en Côte d'Ivoire, sans nécessairement s'arrêter qu'à Abidjan. Alors, j'ai envie de vous poser une question qui va prêter un petit peu à polémique, mais les ateliers, les débats, les expositions littéraires, les projections de films, ça ne parle pas à ma grand-mère qui est au fond du village. Ouais. Comment, elle, les 16 jours d'activisme l'atteignent ? On essaie, en tout cas, au maximum de pouvoir toucher tout le monde. Il faut qu'on puisse se dire également la vérité. On n'arrive pas à toucher toutes ces personnes qui sont à l'intérieur du pays, par exemple, ou des personnes, justement, qui ne peuvent pas se déplacer ou qui tout simplement ne peuvent pas lire ou écrire. Je sais qu'il y a des programmes qui existent, qui sont encore mis en place par de grandes organisations internationales ou des associations qui ont les moyens, et ils partent justement à l'intérieur du pays pour s'adresser à ces personnes qui n'ont pas accès à l'information, qui n'ont pas accès à Internet, qui n'ont pas accès à la télévision pour pouvoir justement savoir ce qui se passe un peu en Côte d'Ivoire. Permettez-moi de pousser un petit peu la réflexion dans le sens où il y a des femmes aujourd'hui, je sais que ça peut paraître étonnant pour plus d'un, qui accepte ce genre de violence. Justement, on rencontre tout le temps ce genre de femmes dans nos activités. Il y a toujours une ou deux femmes qui vont normaliser ces violences, par exemple les violences conjugales, les viols dans le mariage également. Et on essaie justement de pouvoir un peu les prendre de côté pour essayer de leur faire comprendre que ce n'est pas normal, donc déconstruire ces stéréotypes. Le travail, comme vous pouvez l'imaginer, est deux fois plus difficile, mais il faut qu'on se dise la vérité. Ces femmes existent, il y a des femmes qui normalisent ces violences, mais on essaie de faire avec et de plus sensibiliser. Quelles sont les principales actions menées sur le terrain ? J'ai déjà posé la question. Avez-vous constaté des changements concrets dans la perception ou même dans la prise en charge des violences basées sur le genre grâce à ces campagnes ? Oui, clairement, on constate qu'il y a une différence déjà en termes de connaissances. Quand vous regardez les séjours d'activisme il y a 4 ans, 5 ans, cette campagne n'a pas la même portée aujourd'hui. On constate que les entreprises, les organisations internationales, mais également des cellules des différents gouvernements ivoiriens ont pris ce combat à cœur. On le constate à travers les médias, on le constate à travers l'apparition justement de ces moyens de sensibilisation un peu partout en Côte d'Ivoire. Donc je pense qu'aujourd'hui, on a une plus grosse visibilité, une plus grosse envie de sensibiliser sur ces questions. Malheureusement, les cas de féminicide que l'on a vus récemment, les cas de violences sexuelles, d'harcèlement sexuel que l'on a vus récemment, ont justement poussé cette envie de vouloir sensibiliser sur la question. Mais on est content aujourd'hui, malgré tout ce qui se passe, qu'on ait beaucoup plus de visibilité pour pouvoir justement sensibiliser sur ces questions. Je vous regarde avec un petit sourire provocateur parce que vous avez cité les entreprises. Est-ce que vous pensez qu'aujourd'hui la démarche est sincère ou c'est plus dans une logique de RSE, de responsabilité sociétale où il faut bien paraître ? Alors, ça dépend. Je pense qu'il y a des entreprises qui ont vraiment cette volonté de pouvoir sensibiliser. Et si je suis honnête avec vous, je pense qu'il y a énormément d'entreprises qui justement veulent s'aligner avec leur politique genre ou leur politique RSE pour pouvoir paraître comme de grands féministes. Mais je pense que moi, ce que j'ai souvent l'habitude de dire, c'est que peu importe leur intention, tant qu'ils donnent de la visibilité à notre combat, c'est tout ce qui nous importe aujourd'hui. Quels sont les principaux défis que vous rencontrez dans l'organisation et la mise en œuvre des initiatives des 16 jours d'activisme ? Alors, en général, il n'y a pas nécessairement de grands défis pour les séjours d'activisme. Plusieurs associations vont recevoir des financements. Comme je vous dis, on a énormément de visibilité maintenant parce que de plus en plus de personnes et d'organisations sont conscients du problème. Je pense que c'est un des plus grands défis. S'il devrait en avoir un, ça serait peut-être de rassembler toutes ces personnes parce que ce n'est pas 2 jours de campagne ni 3 jours, c'est 16 jours. Donc, essayer de pouvoir rester constant et d'attirer le maximum de personnes pendant ces 16 jours. Quel résultat vous espérez atteindre d'ici la fin de la campagne et comment vous allez pouvoir mesurer son impact ?
Alors, je n'attends pas honnêtement particulièrement un résultat d'ici la fin des séjours d'activisme. Ce ne serait pas réaliste de ma part que j'attendrais, par exemple, qu'il y ait une diminution de 70% des viols en Non, Côte ça c'est d'Ivoire. utopique. Ça, c'est utopique, mais j'espère en tout cas qu'à la fin de ces séjours d'activisme, on aura rassemblé le maximum de personnes. Je pense qu'en termes de suivi, ça serait que chaque organisation qui met en place des activités puisse justement recueillir le nombre de personnes qui participeraient à ces activités et qu'on puisse avoir une sorte de base de données pour que toute l'année, ils puissent participer à d'autres activités et mieux sensibiliser leurs pairs. Madame Lagroux, si vous aviez un dernier message à passer à nos téléspectatrices et nos téléspectateurs, ça serait lequel? Ça serait de continuer à sensibiliser et surtout d'arrêter de normaliser plusieurs comportements que l'on a en Côte d'Ivoire. On a l'habitude de dire que la culture du viol est très présente dans notre société Le ivoirienne. chat noir. Et le chat noir. Et je vous encourage justement à ouvrir vos yeux et surtout avoir un peu plus de curiosité sur la question pour mieux sensibiliser. Merci Madame Dagro, nous allons terminer notre interview sur ces mots. Je rappelle que vous êtes la présidente de l'association Mouvement Femmes et Paroles. Merci à vous, chers téléspectateurs, d'avoir suivi ce nouveau numéro de C'est-à-dire. L'actualité se poursuit sur cette info et sur cetteinfo.ci.